عسلامة ومرحبا بكم نتوما كالعادة على شين يوتيوب ريفيزاب واليوم باش ناخذوا اول فيديو في البلاي ليست الجديدة اللي هي سويت ريال كان مازلت ماكش عامل ابوني للشين دونك نحي شوية بخل وعملنا ابوني عاصمة مرة اخرى كيف ما قلت لكم هذه الفيديو الاولى في البلاي ليست سويت ريال اخترت اني نعمل فيها رابي لا سويت اريتميتيك و سويت جيومتريك سو فورم كيستيون ريبونس و بطبيعة كيف نقول سويت اريتميتيك ولا سويت جيومتريك دونك الفيديو هذي تنفع زادا كلام ذا نيفو دوزيام اني نبداو بالكيستيون لولا وقت الياس اللي يسالك يقولك مونتري كو لا سويت يو ان ني با اون سويت اريتميتيك كومون دي مونتري كو لا سويت ني با اريتميتيك كيما نعرفو انو سويت اريتميتيك هي سويت

Et U2-U1. Généralement, je ne sais pas si c'est différent. Et là, je vais vous suite arithmétique. Maintenant, je vais que U5-U4, U10-U9. Donc, il suffit de mettre deux termes consécutifs. Différence, je vais termes montrer que deux termes consécutifs sont les suite arithmétique. Donc, je vais vous montrer la suite géométrique. Généralement, U1 par U0 et U2 par U0 par U1. Généralement, donc, là, euh, des valeurs différentes. Euh, bien sûr, on a aussi au dénominateur. Donc, le U0 est différent de 0 et le U1 est différent de 0. Là, on U1, U0, U2, U1. Donc, il va deux termes consécutifs. Par exemple, U20 divisé par U19. Euh, tu fais la différence entre U22 et U21. Donc, peu importe qui l'a dit, qui m'a dit, donc, euh, on va mettre 0 au dénominateur. Nous <t> avons une question il faut montrer que UN est une suite arithmétique. Donc, pour démontrer que la suite n'est pas arithmétique, on utilise des exemples. Pour montrer que la suite est arithmétique, on la démontre quelle que soit N. Donc, on fait la différence entre UN plus 1 et UN on doit trouver une constante, R. Donc, ici, on constante R, la constante est la raison de la suite, une constante qui ne dépend pas de N. Par analogie, pour démontrer que la suite est géométrique, par analogie, pour démontrer que la suite est géométrique, on doit avoir la relation UN plus 1 égale à une constante fois UN, ou bien UN plus 1, divisé par un égale la constante q, donc cette constante q est raison de la suite géométrique. Sauf que le u un plus 1 sur un a évité, on euh, a problème de définition. Au, euh peu importe quel euh, problème, de préférence utiliser la relation un plus 1 égale une constante fois un. Généralement, la question est de savoir si un suite arithmétique ou la suite géométrique, on exprimer un en fonction de n ou bien le terme général. Neuf question déterminer le terme général de la suite. Si on a démontré que un est une suite arithmétique, alors le terme général ou bien un en fonction de n, donc on écrit un égale à u0 plus n fois r. Donc u0, le premier terme, plus n fois r. Bien sûr, ici, il y a n appartenant à n. Donc le, les 0 m'en jouent de l'année. Si n appartenant à n étoile, on dit u0. Donc, es le terme général, un égal à u1 plus n moins 1 fois r. En parallèle, pour euh, écrire une fonction de n si la suite est géométrique, si n appartenant à n, alors un égale 0 fois q à la puissance n, et si n est défini sur n étoiles, donc un égale u1, fois q à la puissance n moins 1. Donc, nous ne savons faire l'analogie, mais bien suite arithmétique ou suite géométrique. Parfois, on doit savoir la relation entre deux termes quelconques. Euh, par exemple, l'article U euh, est une suite arithmétique ou l'article U10 et U30. Donc, il faut savoir que euh, un quelconque égale à un UM plus n moins m les tout fois R. Donc U30, par exemple, égale à U10 plus 30 moins 10 fois la raison R. Donc, ça signifie que R égale à U30 moins U10 divisé par 30 moins 10. Euh, en parallèle, la relation entre deux termes quelconques suite géométrique donc un égale à um fois q à la puissance n moins n. Alors q à la puissance n moins n égale à un divisé par um. Nattendez la question et ce programme deuxième année, donc somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique ou bien d'une suite géométrique. Par exemple, il y a ici s égale à UP plus UP plus 1 plus 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 Jusqu'à un. Par exemple, on peut voir, U4, il U9. Donc, cette somme qui va que je ne sais pas, je ne mon pas, sum, somme, s pas, je ne sais pas, je somme. de pas, je De sais u الكونتور متاعنا ك يبدا من بي حتكشي للان باغ من يو 4 حتكشي u 10 دونك هي من ك ايغال ك جوسكا 10 دو يو 4 دونك اذا هي سويت اريتميتيك الور سيت سوم اكواتيك ايغال نومبر دو تيرم كنقولو من 4 حتى ل 10 قداش عندنا من تيرم دونك يو 4 يو 5 يو 6 يو 7 يو 8 يو 9 و يو 10 دونك اذا كان تحسبهم قداش تلقاهم من تيرم بالضبط تلقاهم Euh, 7 termes, qu'est-ce Donc le nombre de termes est 10, le dernier terme, moins 4, le premier, plus 1. Donc rang de l'arrière terme et le rang premier terme, plus 1. À la u 4 par exemple, le a u 10 donc u 4 est plus 1. Fois le premier terme de suite, qui est 4 plus le dernier terme, qui est u 10 les deux divisés par 2. Si la suite est géométrique, alors cette somme aquatique, donc... A ou le terme, il est suite, est U4, fois 1 moins la raison Q sur 1 moins Q, Et le Q, il à la puissance nombre de terme, qui est 10 moins

donc, qui, est une es raison Q. Si la raison Q a d'être ou bien un réel inférieur ou égal à moins 1, donc le moins 1 inclus.

si q supérieur à 1, Q à la puissance n tend vers plus l'infini. Donc, n est 0 positif, positif fois plus l'infini, c'est plus l'infini. I0 négatif, donc négatif fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc, l'art de la une limite dépend du signe de I0. Avec allez la suite tend vers plus l'infini, ou bien moins l'infini, plus l'infini si I0 positif, et moins l'infini si I0 est négatif. Si Q entre moins 1 et 1, 1 demi, 1 tiers, moins 1 sur 4. Alors, la suite tend vers 0, directement, euh, peu importe le u0. Et si q égale à 1, donc c'est une suite constante, donc les, les termes, ils collent, à u0. C'est une suite, euh, constante. Et ma dit, donc, la suite, collin, tend vers u0, ou bien, colle-t-elle à une constante, qui est égale à u0. Euh, remarque générale, le q à la puissance n, donc, une limite, en plus l'infini. Donc, head égale à plus l'infini si q supérieur et égal à 0 si Q entre moins 1 et 1. Et donc, je vais vous on va faire l'analyse ou bien les raisonnements par récurrence. <تسجيل> هذا بالنسبة للكور دو لا سويت اريتمتيك اي سويت جيومتريك اذا كان أه تحبوا تعرفوا كيفاش تابليكيو أه لي تابعوا ديريكتومون الفيديو الثانية هذه اللي هي ابليكاسيون ديريكت لشوية الكور هذه ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو ما ان شاء الله ما طولتش عليكم دونك هذا كل كل ما يتعلق بسويت اريتمتيك وسويت جيومتريك معناها لي اللي نجمو يجيوكم وبيان سور اذا تحب تبراتيكيهم تعدل الفيديو الثانية ديريكتومون في البلاي ليست باش تلقى ابليكاسيون ديريكت اللي كنا نقولوا فيه تو